Mon projet consiste à optimiser les déplacements lorsque nous nous rendons en formation. En effet, la plupart du temps, on constate qu'on se retrouve à Montpellier et pour certains d'entre nous, cela représente 2 fois 3 heures passées sur la route pour 6 heures de formation. Ça décourage certains collègues qui ne s'inscrivent pas aux formations, qui ne s'y rendent pas, ou alors une fois sur place, on se retrouve avec des collègues qui travaillent tout près de chez nous. Deux idées me sont alors apparues. La première est d'organiser le lieu de rencontre à partir de la liste des participants, trouver le lieu optimal de rencontre en s'appuyant sur le réseau des nombreux établissements scolaires de l'Académie. La deuxième idée, c'est de permettre un covoiturage en diffusant la liste des participants et leur établissement d'affectation pour que les collègues entre eux puissent organiser ce covoiturage. En pratique, j'ai conçu un calculateur qui détermine l'établissement scolaire pour lequel la somme des trajets sera minimale pour l'ensemble du groupe. La liste des établissements d'affectation et les adresses mail professionnelles diffusées en même temps que la convocation permettraient aux collègues d'organiser ce covoiturage. Ainsi, cela représenterait moins de kilomètres parcourus, moins de véhicules sur les routes et des moments d'échange entre les collègues pendant les trajets aller et retour. Ce sont des économies de temps, d'argent et d'énergie, des échanges conviviaux qui peuvent se mettre en place, tout en diminuant l'empreinte carbone. Pour toutes ces raisons, roulons moins, roulons ensemble.